Salut à toutes et à tous, c'est Rivelez, je vous retrouve pour la suite de Digimon World sur PS1. Comment ça va? Vous avez la pêche? Parce que moi j'ai la giga patate. Juste sur patate. Ah oui, bon, bref. Donc, petit rappel, comme d'habitude en début d'épisode de la vidéo précédente, nous avons fait du curling avec Pingouin, Mon, que j'ai habilement battu. Et ensuite, nous avons fait une petite balade à travers tout le pays, toutes les... Enfin, voilà. Et on a fait un petit tour à Bourg-Industrie. C'était génial. C'était beau. Il était super content, Metal Greymon. Et... Wait. Les disques, je m'en sers jamais. Je devrais penser à les revendre un de ces quatre. Oh, j'ai deux autopilotes. Les puces, je garde. Pot de chambre, ouais, je peux le prendre, lui. Hein. Je suis pas un prêt. Non, je laisse ça là, le reste, bon, bah, je vais laisser ça là aussi. Ouais, je vais laisser ça là. Je vais acheter des restores. Parce que ce serait bien un jour si je devais mourir. Déjà, est-ce que j'ai pris ma ration du jour? Et ce n'est pas encore demain! Je sais bien que c'est pas encore demain. Raclure de chameau. Bon, là, c'est trop tard pour pouvoir aller, de toute façon, faire tout ce que j'ai besoin de faire à Bourg-Industrie. Puisque midi est passé. Et minuit, Metal Greymon, il dort. Il dort avant minuit, quand même. Ah oui, j'ai aussi acheté le super manuel. Ouais, j'ai fait péter les thunes. Il m'en reste encore 52 000. Youhou. Non, c'est pas lui qui vend les restores. Enfin, si, mais moi, je voulais les super restores. Ah, vraiment dans le doute, hein. C'est vraiment histoire de... Nope. C'est bon. J'en ai deux, ça devrait être largement suffisant. Ouais, et puis je suis quand même équipé, hein. Come again, if I want. On va trier tout ça. Battle. Ah oui, je suis équipé. Soigne les erreurs de statut et PV et PM. Ça redonne 1500 PV et PM. 1500 PM, 1500 PV, 5000, ah, c'est des trucs de, c'est pas du truc de petit, hein. Et le manuel d'entraînement. Et comme je ne prévois pas de m'entraîner, je devrais plutôt le laisser. Ça me fait combien de slots de libre? Si je le retire, ça m'en fera 6. Bon, avant d'y aller, avant de d'essayer de faire quelque chose de constructif, oui, j'ai bien dit essayer. on va acheter des cartes. Oh, une métal, j'ai vu Metal Memon. Je veux pas des sucas maintenant. Bon, Tantomon, c'est bon, on arrête là. Non, mais je suis dégoûté, quoi. Combien de cartes Sucamon j'ai chopé? Oui, évidemment. Celles qu'on chope le plus, ce sont les moins rares et celles qui vaut le moins de points à la revente. Alors, attendez que je réfléchisse. Déjà, je vais aller parler à... Comment il s'appelle? À Gigi. Je veux savoir à combien j'en suis en termes de... Ah, mais je sais où je pourrais aller. Mais bien sûr. Coucou. J'avais envie, mais il dit rien de spécial. Il va dire ça jusqu'à la fin du jeu, alors que c'est bon. Bon, Gigi. Bon, il faut qu'on cause. Pingouin Mon est revenu et a décidé d'ouvrir un stade de curling. Maintenant, on a de la variété hein, en termes d'activité. La prospérité est à 39. Ça se développe bien. Oh, je sais pas où aller. J'en ai vraiment aucune idée. Aucune. Si j'en ai une petite a priori. Parce que là, je ne peux pas aller tout de suite à Bourg-Industrie puisque ça servirait à rien. Puisque je dois y aller seulement quand les gardes ne sont plus là, c'est-à-dire à minuit. Et oh ouais, j'ai peut-être une petite idée. Je vais aller là au Mont Panorama, là où il y a les cercles. Je sais pas s'il faut y aller à un moment de la journée précis, mais bon, tant que je suis encore près de la capitale, je préfère y aller tout de suite. Tant que je suis encore en pleine forme. Des champignons! Hallucinogènes, accessoirement. Yeah. Ce serait tellement bien de se taper des tripes comme ça. Un truc, tout est devient rose et violet et jaune et tout. Yeah. Oh, pardon. Je suis désolé. Je voudrais pas, non. Oui, je veux bien un verre de coca pour me réconforter. Avec des chips au barbecue. Oh oui, des chips. Ah. Pardon, je divague. Totalement. Enfin, jusqu'un peu, mais totalement. Nope! Je ne veux pas.
Je ne veux absolument pas. Oh, il y a quelqu'un qui s'est connecté sur Steam. Pourquoi j'ai laissé Steam ouvert, bordel? Non, toi tu me laisses tranquille, Roman là. Je me rappelle plus tout à fait comment tu t'appelles. Et ça doit pas être bien important si je me rappelle pas. Oh, je suis vilain. Allez, un champi. Oui. Oui. C'est trop génial. Ah, j'en ai chopé du champi là. C'est cool. Ah, oh, il y a d'autres cercles. Il y en a plus maintenant. Est-ce que ce serait un extraterrestre? Eh non mais... Un champi... Ben, putain, il était bien planqué le champi chance. Hein. Je pense qu'il faut y revenir encore plus tard. Genre, j'essaierai de revenir avant que Metal Greymon fasse dodo. Enfin, quoique... Ça se trouve, je serai déjà bien loin. Et bien loin, c'est-à-dire... Bah bien loin. J'ai envie d'aller au manoir de l'ordre de gré. Je pense que... J'ai de quoi m'occuper là-bas, mais j'ai peur que ça m'occupe trop longtemps. Mais comme j'ai un Digimonotype virus, ce serait juste l'occasion d'en profiter. De cette puissance. Non, je veux pas. Je veux pas faire de câlin à des inconnus. Mais à des inconnus, là ça peut s'arranger. Enfin bref. Mais pourquoi vais-je passer, nom de Dieu? Ah. Allez, des champignons, bordel. Non. Oh, il n'y en avait pas. Oh, je suis triste. Oh, pardon. Je suis sujet à des pétages de plomb. Mais c'est des petits genre, pétages de plomb, c'est tout mimi. Mais en tout cas, j'ai chopé du champignon. Alors ça, c'est super mignon. Bon. Sérieusement, faut qu'on se dépêche. Bon bah finalement j'irai pas tout de suite retourner. Normalement si je lis... Ouais. Mutismon qui se retire, qui part à la retraite. Personne ne l'a vu à l'arène, sa carrière doit être à sa fin, il est trop vieux. Et là nous devons... Nous devons aller le voir. Du coup pas... Bah, oui parce que... Je crois que je l'ai déjà dit, je crois, je me rappelle plus, j'en suis pas sûr. Mais pour rappel, parce que j'aime bien me rappeler, ou vous rappeler... Que dès qu'on a recruté Shellmon, de nouveaux événements se déclenchent, ou sont déclenchés, comme la suite des événements qui se passent à cet endroit sombre et lugubre qu'est le manoir. Et là, je vous conseille vivement d'y aller avec un ultime. Pas que la première partie, avec franchement, il n'y avait pas grand-chose à faire. Hein, mais au cas où vous tombiez sur les Rockmon et les Soulmon, vaut mieux avoir un bon petit champion quand même. Alors, qu'est-ce que je voulais voir, moi, déjà? Eh, mais il a pas... Ah, oui. J'avais oublié un détail. C'est qu'il n'est pas full life. C'est pas grave. J'ai de l'équipement au cas où. Et il va pouvoir coller des grosses fessées. Tu vois mon point? Il est gros, hein. Bah, c'est ce que tu vas te prendre là. Oui, derrière. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on appelle le derrière. Oui. Non, je veux pas de câlin. J'aime pas les insectes. Oh. You're angry, man. Ok. Take this. Oh, allez. Flemme. Je te donne un gros machin. Allez, hop. T'aurais pas été content, j'aurais pété un plomb. Parce que quand même, un giga-gigot... Ah mais, Tyrannomon, lui, c'est le genre à bouffer un giga-gigot, mais qui demande encore un petit truc à côté. Une petite friandise. Un dessert. Bon, lui, je l'ai tiré vers moi. Coucou, man! Coucou! Tu veux pas? Ah, si tu veux. T'as fallu un petit moment pour te décider, hein. J'ai un autopilote. Oui, je crois. Peut-être, sûrement, probablement... Vite, j'y arrive tout de suite. Oui, j'en ai même trois. Hop, j'ai pas envie de faire de câlin aux gens que je connais pas. Je préfère passer par là. Non mais... Oh shit, j'aurais dû reprendre la clé du manoir. J'aurais dû la reprendre. Je reviendrai à la capitale si vraiment j'ai besoin de la clé, mais
Non, ça va, les portes qu'on a déverrouillées, elles le restent. Mutismon est parti. Et si on essayait d'aller voir là où il se trouvait, c'est là où on l'a retrouvé, qu'il était affamé, qu'il fait « j'ai faim ». Ça va, je m'emmerde pas, j'entre chez les gens comme ça. Ah oui, il y a des items normalement que... Non, ça c'était un médicament de souvenir et je l'avais chopé. Je ferai l'état des lieux plus tard, des salles que j'ai déjà visitées. C'est ici! Il n'est pas ici. Oula, c'est quoi cette grosse bébête là? Ah, j'aurais dû fermer Steam ou me mettre en occupé. Je suis navré de ces petits bruits. Si vous les entendez. Si vous les entendez pas, bah tant mieux. Et sinon, bah tant pis. Bah. Ouais, l'autre coup c'était Facebook, de souvenir. Je crois que je l'avais. Oui, on entendait Facebook quand même. Là c'est Steam, je varie un peu les plaisirs. Bon, alors je n'ai aucune idée de ce où il se trouve. Je ne me souviens plus exactement où se trouve ce cher Mutismon. Faut dire que cette partie de cette quête, je ne l'ai vraiment jamais faite, puisque... Voilà quoi. Je suis jamais allé aussi loin, mais là en fait, dans cette salle, il y a un piège et il vous fait tomber en dessous. Et est-ce que je le fais ou je le fais pas? Parce que juste en dessous, en fait, c'est là où il y a l'escalier, alors où la salle où il y a plein de trésors. Donc du coup, ça vaut pas le coup. Et ici, il y avait quoi déjà? Ah oui, c'est la salle au trésor, évidemment. Je vais aller chercher le tout quand je devrais partir parce que j'aurais pas l'air con si... Oh non, il y a un putain d'item, genre une puce, tu vois, qui tombe. Alors là, vous vous dites, mais une puce, il n'y a que les boss qui en laissent tomber. C'est pas dit que j'affronte un boss, là, aujourd'hui. Ah mais, attendez. Ça ne veut pas s'ouvrir, c'est scellé par une étrange force. Donc à mon avis, à tous les coups, c'est cette porte-là qu'il faudra ouvrir plus tard. Non. Bah, tant pis, je prendrai les trésors plus tard. J'ai dit que je les prendrai plus tard, donc je les prends plus tard. Oh mon dieu! Nom de Zeus! Maintenant... Je suis quand même passé par là. Et coucou, c'est que on passe juste devant et tu fais non, j'ai pas envie. On passe la porte. Oh mon dieu, finalement j'ai envie de faire caca. Vas-y. Oh waouh. Il est bien élevé, il tire la chaise d'eau. Bon. Dans le frigo, il y a toujours un truc ou pas? Il va me dire c'est vide. Qu'est-ce que ça dit? Retourne position. Ah oui, mais c'est pas le mot pour le JJ. Enfin, le supra gigot, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Le gigot sanglant. Bon, je vais prendre le trésor qu'il y a ici. Un omnidisque. Et là, on réatterrit dans le salon. Bon, je vais repasser par là. Après, je repasserai par là où il y a les toilettes. Enfin, quoique, je vais d'abord essayer d'ouvrir la porte. Non, bah, Mutispawn n'est pas là. Un truc con, je vais sortir du manoir et re-rentrer. Et après, il y aura encore deux endroits à checker. J'ai quand même un mauvais pressentiment.
Je savais que t'allais venir. Eh, hey, c'est un Devimon. Qui es-tu? Je suis Devimon, un ange noir. Je possède le pouvoir des ténèbres. Tu sais quelque chose? Nyotismon est dans ce manoir. Peut-être même qu'il est vivant. C'est toi qui as fait ça? Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que tu es mon ennemi. Tu vas pas te barrer, c'est mort. Ah ah ah. Oh non! Dis bonjour à Mutismon de ma part. Il s'est barré. Je n'aime pas ce mec-là. Oh, oh, voilà, c'était quoi ça? C'était pas beau. Ah, comme par hasard, ici c'est ouvert maintenant. Donc voilà. Oh. 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 Oula, ça fait moins manoir hanté, ça fait genre manoir hanté, mais les coulisses, tu sais. Tu sais, quand dans les parcs d'attraction, tu vas à l'arrière, bah t'as plein de câbles électriques et tout, bah oui, pour animer le truc. Oula. Non! L'autre il a eu peur. Enfin, l'autre il s'est dit: oh non de Dieu, il n'y a plus belle la vie, je m'en vais, au revoir! C'était quoi ça? Fiste-le, bordel! Oh, putain! Oh, et hey, OMG, mec! J'étais en train de me faire! Tu vas pas te faire péter la gueule par ça! Non, mais Metal Greymon, qu'est-ce que tu branles? Faut arrêter de regarder des films pour adultes le soir. Enfin, si, ça améliore ton punch mégaton, mais tout de même. Seriously, man. Fist, allez, fist. Non, mais tu pourrais te défendre aussi un petit peu parfois. Oh non! Pourquoi tu mets 3 heures à réagir? Moi je serais pas fier à ta place. C'était naze, c'était moche, c'était pourri, ça servait à rien. T'as une force. Pourtant t'as pas une force de mouche. Enfin. Tu pourrais être plus fort pour un ultime. Je te l'accorde. Je réfléchis, il a faim. Donc il a faim, je lui donne ça, je me fais pas chier, comme ça je suis sûr que t'as plus faim après. En par là, ça a l'air d'être un ultime. Ça ressemble à un Gyromon, mais c'est pas un Gyromon. On va plutôt passer par là, ça a l'air. Ils sont peut-être plus nombreux, mais ça a l'air moins dangereux. Ah oui, je rejoins mon pote, voir plus belle la vie. Oui, pète-lui la gueule. Nope. Oh, ça c'est moche. Sérieux? Bourrine! Il a réussi à se protéger pile. T'as l'autre, il se protège.
Oh non, t'es sérieux, j'ai cru que... Putain. C'est absolument pas cool, là. C'est vraiment pas cool. J'ai un Various, je vais l'utiliser. Pète-lui la gueule! Tiens, vilain! C'est vraiment pas cool. En plus, il laisse rien tomber, quoi. Je suis dégoûté. C'est la mur noire? What? C'est... Bon bah on va dormir ici. T'as rien besoin d'autre de faire? Bon, on va dormir là. Et moi je vais faire une sauvegarde rapide. Je sais, c'est pas bien, mais vous voyez le boss. Enfin le. Ouais. Le boss qu'il y a après, ben c'est un type mecha. J'aimerais apprendre une petite technique mécanique, tu vois. Hein. Juste une fois. Donc du coup. Pouf! Je suis désolé, c'est pas bien, c'est pas top. Yeah! Maintenant, reste à savoir si j'ai appris une technique mecha, parce que c'est dur à apprendre. Oui, bon, reset encore. Bon, et bien, mes gens, je vais pas affronter Tekamon parce que je n'ai marre. Non, j'en ai marre, il veut pas me laisser apprendre une technique, j'ai reseté plein de fois. Je suis triste. Oui, je suis déterminé à apprendre une technique de lui. Bon, là, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt aller à Bourg Industrie. Je réfléchis. Ouais, il y a des trésors dans cette salle que j'ai pas récupéré tout à l'heure. Alors là, du coup, ça fait que mon chronomètre, il est faussé, puisque j'ai fait plein de recettes. Oh, une puce d'intelligence. Ouais, une deuxième. Non ! Je veux pas faire de câlin aux gens que je connais pas. Ensuite, faut que j'aille dans quelle salle? Ah oui, juste à l'étage. Bon, ben, au moins j'ai avancé un petit peu. Je sais que Mutispawn, il est enfermé quelque part par là où je suis passé. Et que... je reviens pas de ce troll monumental. Moi, j'aurais pas perdu mon temps. J'aurais récupéré ce que j'ai pas pu prendre la dernière fois. Ou que j'ai pas voulu prendre. Ouais. 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 Je m'attendais à des trucs un peu plus... tu sais, des trucs un peu plus épiques. Enfin bon. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je retourne à pied ou pas? Ou pas? Ouais, plutôt ou pas, tu vois. Je regarde. Non, je vais sûrement retenter Tekamon. Je ferai autant de resets qu'il le faudra, mais j'ai envie de le battre. Parce que là, je réfléchis, j'ai encore un peu de temps, je fais une sauvegarde rapide ici, allez hop, tac. Oh mais j'aurais les deux autres, oh non, j'ai les deux barbares là, à dégommer, oh non. Ça c'est de l'esquive. Du coup, les gaillards là-bas, ça sert à rien aussi. Et du coup, bah, on va plutôt faire une sauvegarde. T'as faim, c'est ça? Attends, on va faire une deuxième sauvegarde rapide. Oh non, encore un kéké en scooter dehors. Arrête, ça, c'est une horreur pour mes oreilles. Ouais, t'as faim, c'est bon. Enfin, t'as fini. Je vais t'avoir. Croisons les doigts. Et les orteils. Allez mec. C'est bon ça. Non, t'avais un temps de retard là.
te demande de le fuir, pas de foncer dessus. Aïe aïe. Hey. Oui. Oh, ça va être un peu plus facile là. Enfin, finis-le. Ne le laisse pas se booster. Allez, encore un peu de Schmegaton, mec. Bon, ben, ça va. Faut pas pousser mes mains dans les orties non plus. Allez, une technique, allez. Oh, oui. Reverse Prog learned. Ouf, ouh, j'ai appris une technique. Après temps de reset. Je sauvegarde rapidement. Oui, je sais. Je suis pas bien. Labo. Oh, wait. C'est moche, c'est abominable. Mais qu'est-ce que c'est? Eh mais, c'est Mutismon. Qu'est-ce qui s'est passé? Oulala. Oulalalalala. Oulalalala. Oh, il y a un truc là-bas au bout. Oh, fichtre. Pareil, je sauvegarde à nouveau rapidement. Oh, je suis pas obligé de... Ouf, oh putain, j'aurais fait deux pas de plus, j'aurais été niqué. Est-ce que tu es Riveless? Un Digimon squelettique? Es-tu Robert? Je ne ressens pas de la vie de lui, mais juste du... quelque chose de maléfique. Je me demande s'il a fait quelque chose à Mutismon. Si tu me dis pas, je vais t'attaquer. Mec, pourquoi tu l'as pas dit? Oui, je suis Riveless. Regarde, j'ai une chaîne YouTube. Et regarde, je vends des cookies et je mange des chips au barbecue. Youhou! Alors par contre, ça va pas être... Oh putain, ça va pas être doux de me battre contre lui. Ah, lui, il fait cri de guerre. D'accord. Ah, il connaît la bombe. Dynamite latte. Je connais absolument pas Skull Greymon, donc c'est une découverte pour moi. Oh là 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 là, s'il te plaît, Metal Greymon, c'est pitoyable comme spectacle. Ça pique par contre. Et il se protège. Oh oui. Il lui reste encore. Oulala. Il se protège. Finish him. Oh oui, il monte sur derrière. Comme c'est aimable. Ouf. Il. Oh non, mais ça c'est moche par contre. Oui. Ouais. Vas-y Metal Greymon, vas-y. Ouais, encore une fois. Ouais. Ouf.
Wow. Ah oui. Skull Greymon a fait tomber une puce d'attaque. Je vais t'attaquer. Je dois sauver Mutismon dès que possible. Oula, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Je peux plus rien porter. What? Bon bah le choix est fait. Attends, une puce d'attaque, ça vaut tout l'or du monde. Bon ben, je sais plus ce qui se passe maintenant. Enfin, je sais pas même, carrément. Surprise, surprise. Mutismon, tu vas bien? Ah, c'est toi. Tu m'as encore secouru. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as vu Devimon? Oui, je l'ai vu. Il a ruiné mes recherches sur le mal. Tes recherches sur Skull Greymon? J'étais en train de collecter des os et les mettre ensemble pour les mettre ensemble. Je devrais être plus prudent. Ce Devimon est vraiment... Je le connais bien. Quoi? On était copains au lycée. Il me joue toujours des tours, mais jamais et pas aussi mal que ça, quoi. Peut-être qu'il est manipulé par quelqu'un. Peut-être. He could be part of a group. Il peut faire partie d'un groupe s'il était lui-même. Je vais joindre la reine. Certains de mes hommes vont me manquer. Je parlais à ton Bakemon. Baké, 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 yeah, yeah. Tu es assis dans le vide? Bon. Est-ce que le Greymon alors? Juste comme ça. Appui de Skull Greymon? Et puis là? Plus rien? Ah, c'est juste un boss, juste comme ça. Je pensais qu'il joignait la capitale. Enfin bref. Ah, du coup, je sais même pas combien de temps j'ai fait pour. Enfin, combien de temps j'ai mis pour resetter. Merde. Bon, il a dû rejoindre sa salle à manger. Dis-moi pas qu'il y a encore Tekamon derrière. Ce serait bien. Non, il n'y a plus. Oh, c'est dommage, je l'aimais bien. Il m'a coursé, lui. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Et je suis pas d'accord. D'accord? Ouf! Bourrine, bourrine! Oups! Je suis couru de bouton. Allez! Oh putain, il lui reste 14 PV, quoi. Tiac! Tu t'es protégé, mais ce n'a pas suffi. Bon, allez. J'ai d'autres chats fouettés. Je sais même pas quelle heure il est dans le jeu, du coup. Pouf. En fait, j'aimerais revoir Mutismon avant de quitter définitivement le manoir. Mais a priori, tout serait fini. Et si je me dépêche, je pourrais préparer la prochaine vidéo. Ah non, j'aurai pas le temps. D'ici le temps que je traverse Bourg-Industrie, ouais, c'est ça, le temps que je traverse. Non, j'aurai pas le temps. Je suis triste. Coucou! Je te remercie pour ton aide. Je vais te montrer mes recherches. Quelquefois, si Metal Greymon meurt...
Oula. Il... D'accord, d'accord. Bon, en fait, ce qui veut dire, et ce que je voulais vous réserver la surprise, c'est que quelquefois, quand un Metal Greymon meurt, il a une certaine chance de se digivolver en Skull Greymon. Ouais, je te jure que c'est vrai. Mais je vais rentrer à la capitale avec un autopilote, parce que j'ai eu The Mega Flemme. Et c'est pour... Je voulais le faire, en fait. Et je vais le faire sûrement, je sais pas quand, après que j'aurai fini Bourg Industrie. En fait, j'aimerais le faire le jour où il est censé mourir, mais vraiment mourir sa fin de vie, quoi. Pas juste mourir, enfin perdre un combat. Quand ils disent « Fades away », c'est pas la fin de vie, c'est quand il perd un combat. C'est comme s'il mourait. Bon, ben, j'aurais pas le temps d'aller à Bourg Industrie, enfin, quoi que... Donc, je vais vous laisser rapidement ici, parce que je ne suis pas certain de pouvoir assurer correctement la suite. Oh non, je dois ranger... Non, bah je ferai pas ça pour la prochaine vidéo, puisque... mon inventaire est plein. J'aimerais racheter des sous pour avoir un méga stuff. Racheter des cartes pour les revendre et espérer ainsi choper... des trucs à Shogun Gekkomon qui me serviront, comme la super canne à pêche, la canne à pêche miracle. Et puis voilà. Oh là là. Oh là là. J'ai trop d'items. J'aurais dû le laisser le manuel d'entraînement, moi qui me disait « Ouf, ça va suffire, pas besoin !» J'aurais dû. Non, j'aurais... Le temps que je traverse Bourg Industrie, je crois que j'aurais pas le temps d'arriver à l'intérieur. Quoique, je vais déjà commencer à... Non, le temps que j'aille faire mes items et tout, non, c'est mort, c'est cuit. Non, c'est cuit. Moi, j'ai déjà commencé à ranger comme ça pour la prochaine vidéo, je serai pareil. Donc, moi, a priori, ouais, Bourg Industrie, sinon... J'essaierai de voir ce que je peux faire d'autre. Ça, je range. Je vais tout ranger ce que j'utilise pas et je revendrai vraiment quand j'en aurai plus besoin. Faut dire que j'ai pris la blinde d'items de soins, alors forcément. Bon, pour la prochaine vidéo, je pourrais aller aussi au pays des dinos, mais j'aimerais d'abord aller à Bourg Industrie, mec. Ah, mais attendez, je vous ai pas montré la technique que j'ai apprise. Power Crane, ça c'était l'autre coup. Et Reverse Prog, qui est assez puissante en fait. Mais qu'est-ce qu'elle coûte en PM? De toute façon, les techniques mecha, elles sont chères en PM. Pour ce qu'elles font. À titre de comparaison, enfin bon. Quoique, je vais peut-être remplacer Metal Sprint. Voilà, ce sera mieux. Parce que ça, bon, ça a à peu près le même effet que Hit Laser. Et encore, c'est pas sûr de toucher si on est trop près ou trop loin. Alors, Reverse Prog. Bah, en fait, c'est sympa. Mais c'est trop cher en PM. J'ai pas envie de le mettre sur Metal Greymon. Bah, que faire? Je réfléchis. Bah, je crois que. Ouais, je sais. J'ai maintenant une meilleure idée de ce que je vais faire dans la prochaine vidéo. Ouais, parce que de toute façon, ouais, avec les PV que j'ai, je serai obligé de me soigner fort souvent. Et vu son âge, j'ai quand même peur qu'il. Que voilà, hein, qu'il ait un coup dans le nez et qu'il fasse un non, j'en ai marre. Enfin bref, j'aviserai. Mais genre, je vous remercie d'avoir regardé cette énième vidéo de Digimon World et je vous dis à bientôt pour la suite. Salut !